Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment qui côtoie côté. L'édition Hébreu 13-8 TV. Chaque mercredi, nous réunis pour nous capables de prier pour le monde. Le monde besoin. La prière, n'est-ce pas? L'important pour nous, la prière pour le monde, ou même qui disposé et très disponible pour nous capables de faire ça ensemble, ou capable disposé pour nous prier. Les très important pour nous capables intercéder le grand Dieu de l'humanité, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les bons pour nous adorer et louer. Nous saluons toutes les amies qui branchées sous radio Foi Apostolique. N'ab diyo rete branché et n'ab vini dans quelques minutes. Et nous sûrs et certains et ou même qui gagnaient amis ou frères ou capables d'inviter yo dans service de prière chaque mercredi à partir de 7h30. Merci, n'ab vini. Enjoy music ça et n'a venir dans quelques minutes. Que le Seigneur vous bénisse.
Gloire à Dieu, une fois de plus, nous retourner pour nous capables la prière, pas oublier chaque mercredi. À partir de 7h30, nous disposer pour nous prier pour le monde. Parce que le monde besoin la prière. Eh bien, pratiquement, nous déjà en ligne avec des bien-aimés qui
disposé, très disponible pour nous capables de rentrer dans la prière. Nous saluer notre bien-aimée la sœur Bernadette Mathurin de Boston. Nous saluer la sœur Nadia de New Jersey. Nous saluer la sœur Samuel. Nous saluer la sœur Camille Félix. Nous déjà en ligne et toutes nos amis qui branchaient et nous là pour nous capables la prière. Et bien, comme à l'ordinaire, nous toujours gagné la sœur Bernadette qui introduit nous avec un cantique au même cap coûté et rester béni en attendant que nous rentrer, nous enchaîner prière. Yo. Que les seigneurs capables bénir nous toutes. La sœur Bernadette, vous capable de gagner mes cours. Merci, pasteur David. Alléluia, béni soit le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Mon salut à tous les auditeurs bien-aimés, auditrices, les prédestinés à travers le monde qui toujours branchés édition et Hébreux 13:8, dans le plus grand nom de la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Mon Seigneur Bernadette Mathurin, une collaboratrice édition et Hébreux 13:8 TV. Mon salut à Pasteur David, Sireille, le béni de Dieu, mis à part pour proclamer le message de la parole de Dieu. À tous collaborateurs. Nous rendons grâce à Dieu, étant que l'Église, la côté nous y est, qui permet d'expérimenter l'évangile de la parole de Jésus-Christ, c'est qui est pour nous. Nous allons chanter un cantique pour la plus grande gloire, le Seigneur Jésus-Christ, à jamais. Altéré dans la terre, arrête de sécher. A soulagé mon cœur, j'ai beau chercher. Mais je suis venu au pied de la croix, où jaillit une source d'eau pour moi. Puis la source d'eau vivante, j'ai enfin la paix, mon cœur est satisfait, puisant à la source d'eau vivante, qu'elle joue interruptible à jamais. Altérée de la terre, aride de péché, a soulagé mon cœur, je vais chercher. Mais je suis venu un jour au pied de la croix, où jaillit une source d'eau pour moi. Puis à la source d'eau vivante, j'ai enfin la paix, mon cœur est satisfait. Puis à la source d'eau vivante, quelle source intérissable à jamais. Au cœur agréable, ta eau vivante, qui m'a rosé de joie et abondant. Je marche dans le chemin de grâce et d'amour, et je chante Alléluia chaque jour. Puis à la source d'eau vivante, j'ai enfin la paix, mon cœur est satisfait. Puis à la source d'eau vivante, quelle source intérissable à jamais. Oh, viens aujourd'hui à la croix du calvaire, où Jésus a vaincu l'adversaire. Oh, toi qui as soif de cette eau de la vie, viens puiser à la source infinie. Puise à la source d'eau vivante, j'ai enfin la paix,
Mon cœur est satisfait, puisque à la source d'eau vivante, quelle source est-ce qu'elle vive à jamais? Puisque à la source d'eau vivante, mais j'ai un bel appel, mon cœur est satisfait. Puisque à la source d'eau vivante, quelle source impérissable à jamais. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Troisième lecture de la parole de Dieu dans Jacques chapitre 5, verset 12 à 31. Avant toute chose, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et non, afin que nous ne tombions pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et il a commis des péchés et il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie à la terre, et la terre produit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous, autre de lui, lui ramènera, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie qu'il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous remercions toutes bien-aimées déjà branchées. Je m'excuse pour nous capables de prier pour le monde. C'est responsabilité ambassadeur de Christ pour nous capables d'intercéder à le grand Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, pour intercéder pour amis nous, frères nous, qui à travers le monde nous prier par la foi, car la Bible dit « Le juste vivra par la foi ». Ou même qu'à vivre par la foi, nous sûrs et certains qu'on croit en Dieu par la foi, eh bien, on allait prendre quelques minutes pour nous capables d'introduire nous vers le trône de sa grâce. Père éternel, notre Dieu, notre roi, l'immortel invisible, le rocher des siècles, de génération en génération, aurait été Dieu, d'éternité en éternité, aurait été le vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous décidons pour nous remercier ou pour sortir. Sortir n'a pas qu'à changer. Il n'y a pas de motivation là-dedans, il n'y a pas de changement là-dedans. Seulement,
tout ça planifié, les gagner pour accompli selon l'ordre, selon décision. Eh bien, Seigneur, nous adorons omniprésence, car ou partout à la fois. Quelques nations que nous pas même connaît, mais présence ou là. C'est Dieu ça qui n'a pas adoré. Dieu ça qui n'a pas gloire et louange. Nous adorons omnipotence, car ou c'est pouvoir. Et avant même ou déplacer, sortir dans le corps là, pour retourner dans gloire première où dit toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Eh bien, Seigneur, tout pouvoir, toute autorité vient de vous. N'adorez omnipotence, n'adorez omniscience, car ou c'est la science des sciences. Ça veut dire, Seigneur, où qu'on est le monde en général. Pas gen rien qui capable passer et à l'improviste pour même au oh Dieu tout bagay ou elle ou qu'on elle et bien avant ou planifier le comme ça et bien toute gloire pour et bien chaque auditeur auditrice téléspectateur téléspectatrice soit cap écouter ou va rendre compte ou va adorer un Dieu qui vrai un Dieu. L'elle parlait, l'éternité envahie. Père, nous présentons chaque bien-aimé qui en ligne, soit cap coûté, cap gardé, il va continuer à adorer ou par la foi. Il va continuer à croire ou par la foi. Il va continuer à bon gloire par la foi parce que là où existez, où existez pour le monde, où existez pour chaque nation à travers le monde. Eh bien, Seigneur, nous comptons sur le moment qu'on a passé et quelques minutes qu'on a passé ensemble pour nous capables de lever voix, nous, Seigneur. Pour si là, soit qui malade, soit qui couché à l'hôpital, quel côté dans le monde, yo va disposer, adorer ou d'abord. Car on dit, Seigneur, nous va chercher premièrement royaume, justice ou. Et tout reste bagaille, il va venir après. Et bien, nous adorons, nous louons, et nous bons gloire, que même seul mérité. Et nous adresser aux requêtes prières, ça. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à toi la gloire, l'honneur, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et bien, nous, encore là chaque mercredi pour nous capables de prier pour le monde ou même qui connaît rendez-vous ça ou capable toujours inviter yon ami, yon frère pour nous capables la prière car la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité et la prière du juste li sauve moun qui malade donc par contre n'a salué quelques amis qui avec nous sous télé Facebook n'a salué ou en attendant nous gain quelques bien-aimés qui capable bénir nous avec un cantique ou bien un psaume sous lion psaume et bien pas besoin chanter c'est juste chanter. Donc, on a besoin de lire ensemble, justement, pour nous capables de rentrer dans la prière d'intercession pour le monde. Et aussi, là, yo, qui a besoin de la prière, capable de croire, et nous sûr que le Seigneur est capable de faire le nécessaire. N'a pas salué notre bien-aimé, Patrice Saint-Just, coordonnateur et mission Hébreux 13-8. Nos salutations spéciales, nous saluer famille en général. Nous saluer notre bien-aimé Henry Stanley. Que le Seigneur capable bénir ou encourager cœur ou âme. Nous saluer le frère Antonio Innocent. Que le Seigneur accompagne mon ami frère. Nous saluer ingénieur Desjardins Stéphane. Que le Seigneur accompagne ou que le Seigneur bénir ou continuer pour croire. Nous saluer notre bien-aimé Rubens Pierre, que le Seigneur te bénisse.
Nous saluons le frère Wilfried Telusma. Que le Seigneur te bénisse. Nous saluons notre bien-aimé Grégory Charles. Nous saluons vos serviteurs que le Seigneur accompagne. Nous saluons un grand homme qui est monté sous l'île, le frère Wilter Gaston, un collaborateur depuis Haïti, ça fait plaisir. Et nous espérons que le Seigneur est capable d'accompagner mon ami, tout côté au passé, que colonne de feu qui t'a conduit Israël là, capable d'accompagner le bien-aimé frère Wilter Gaston. N'ab salué quelques avant nous passer avec quelques amis qui déjà en ligne. N'ab salué le frère Emmanuel Solon, que le Seigneur bénisse. Nous saluer la sœur Jésulène Michel, que le Seigneur te bénisse. Et en même temps la sœur Bernadette, tout en ligne. Nous saluer le frère Rodrigue Jérôme, yon ancien dans le ministère, nous bénissons les seigneurs, que les seigneurs capables de bénir famille, toute petite ou yon. Eh bien, comme moi, nous toujours prenons une quinzaine de personnes pour nous saluer. Donc, nous pas bien tant saluer toutes les amis qui montent, mais pas oublier. Moment son moment de la prière, ou sûr et certain, même les noms n'ont pas cité, mais nous sûr, Dieu qui est omniscient, lui connaît nom, lui connaît adresse, espérant que vous êtes capable de croire seulement par la foi. Et bien, nous quittons la ligne ouverte à tout bien-aimé qui est déjà en ligne avec nous dans le studio directement, si vous avez un cantique, ou bien vous avez les bail bon Dieu gloire, soit à travers une lecture, il est capable de faire ça. Que le Seigneur bénisse nous tous, donc, les amis qui sont en ligne, il est capable de faire ça pour la gloire de Dieu. Tout le monde se bénit nous. Parce que David, nous avons besoin de mettre ce que vous faites pour lui. Pour moi, vous songez, dame Marie, plaisir de venir l'église avec lui. Qu'on est là, vous mettez là, c'est ça. Et là, quand elle est, bon Dieu, c'est elle m'a touché, je n'ai pas de prière pour nous. C'est la sœur. Là, c'est Marie Plaisir. Marie Plaisir. Une fois. Ok. Je vais chanter pour vous, je vais prier pour vous. Ok, on va continuer à faire ça. Là, avec Aspice, c'est juste seulement l'absence. D'accord. Je n'ai pas de prière pour bon Dieu, faire chemin avec lui. Gloire à Dieu. Par chanter en prière, on chante pour la gloire de Dieu. Le nom bénisse, nom du vin, que Dieu m'implore son père, que ce nom vient, une salue le nom de Jésus, précieux, glorieux nom, oh Dieu nom, glorieux nom, glorieux nom, de Jésus. Maintenant, le sacrifice par lequel je puis être sauvé de tous les noms. C'est le plus élevé, le nom de Jésus. Oui.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur et la bête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux, et l'orage à ma nacelle, livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit.
Maître l'onde est apaisé, le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Quand dans ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort, en toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, il est notre délivrance, paix vous soit, il parle aux flots adémences, paix. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que gon l'autre bien-aimé? Sauveur ma vie devant moi, admets du corps, dis-moi, approche-moi. Mes oreilles, moi parler, m'adorer, dans la joie ma. Et avec lui chaque jour, chaque pas moi fait, connais Jésus fatigué, dans la pleine vie, où il toujours mène. Jusqu'à un jour, moi va faire. Dernier pas moi, chaque pas moi fait, quand j'ai une vie de ciel. Mais assurant, moi commence à faillir, et devant gagne enfin les infinis. Moi, garde bon sauveur, moi. Lisez force, moi. Laisse-moi marcher avec. Chaque pas, moi, fait. Connais Jésus, va guider. N'ayant plein vie, où lit toujours mes jusqu'à un jour, moi, pas, c'est dernier pas, moi. Chaque pas, moi, c'est quand il vibre, ciel. Mon confinement, Christ, malgré si constance, Jésus gagne la vie. En abondant, la décembre, clé à l'ouvrir, porte là, pour les mêmes,
na pays promesse là. Chaque fois, moi, qu'on est Jésus à vie, dans la pleine vie, pour lui toujours mener. Jusqu'un jour, moi, va faire, dernier pas, moi. Chaque fois, moi, c'est quand j'ai dit que c'est là. Chaque fois, moi, c'est quand j'ai dit que c'est là. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce que... sera la gloire. Oui. Ce sera la gloire, oui. Ce sera la gloire, oui, pour les saints de Dieu. Alléluia. Quand ce Seigneur mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, ce sera la gloire, oui, pour les saints de Dieu. Oh, ce sera la gloire, oui. Ce sera la gloire, oui. Ce sera la gloire pour les saints de Dieu. Quand Jésus mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, ce sera la gloire pour les saints de Dieu. Ce sera la gloire pour les saints de Dieu. Amen, amen. Alléluia, merci Seigneur. Nous mettons fin dans service ça, partie ça. Nous croyons t'attendre attentivement des cinq étapes. Bye bon Dieu gloire. Yo, a chanté par la foi. Ou capable remarquer qu'il y a des bien-aimés encore à travers le monde. Qui continuait à faire Dieu confiance, ou même qui a écouté, ou bien qui a suivi, ou bien pour responsabilité, ou pour faire Dieu confiance. Comment? Par la foi. Seulement, croire l'exister par la foi. Ça veut dire croire qu'il y a un être, le plus grand être de l'humanité, l'y exister, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Eh bien, c'est un plaisir pour nous t'es réellement ensemble pour t'attendre des bien-aimés, c'est comme ça nous fait service là surtout. Les mercredis pour la prière pour le monde, on va toujours joindre des bien-aimés, chanter et même faire des lectures, donc pour capable vivre. La côtoyer et nous remercier le Seigneur, lui permettre l'évangile capable d'aller dans quatre coins de la terre et quel que soit dans langue que tu as remettre donc technologie permet tout tendre message. Donc c'est très bien et nous baille bon Dieu gloire. Et bien pratiquement nous prenons 5, 8 minutes pour nous capables méditer juste avant nous rentrer dans la prière d'intercession. Nous faisons deux requêtes de prière. Il y aurait la prière d'adoration. Ça veut dire adorer d'abord le vrai Dieu. Vous faire connaître, vous croyez en existence. Et ensuite, qu'on y est capable d'implorer. Ça veut dire vous capable d'intercéder pour un frère. Yon sœur. Donc, Dieu croit dans connexion les hommes. Ça veut dire, sort à remé pour vous, ou mandel devant le Seigneur pour yon l'autre frère, et bien le Seigneur, à travers miséricorde li, bonté li, l'a fait.
seulement croit. Et juste avant de nous prendre quelques minutes dans la méditation, pas oublier que et chaque mercredi à partir de 7h30, nous avons la prière pour le monde. Et chaque jeudi, régulièrement, nous gagnons enseignement biblique. Non pas seulement d'où la prière marchait avec l'enseignement, faut croire. Il y a le livre des livres, qui c'est la Bible, l'inspiration divine, qui va permettre tout et de croire, le déclarer en parole. Parole n'a pas seulement été là. Parole, l'a déclaré par la foi son puissance. Parole là, il gagnait tellement puissance pour aller côté exactement qu'on croit. Donc seulement, on a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu. Pour croire, l'a lancé une parole, et parole là, on croit la donne, et sûr et certain que le Seigneur a fait intervention. Chaque jeudi, nous, avec vous sur les ondes, à partir de 7h30, nous toujours gagnons l'enseignement biblique. Chaque dimanche, à partir de 7h30, nous gagnons l'enseignement biblique. Donc, Hébreux 13:8 TV, il est là pour l'enseigner, pour l'aider à comprendre la parole. Pas selon la religion, mais selon le discernement de la parole de Dieu. Donc, pas oublier nos grands sujets. Pendant moi là, on va se intéresser. Tous les amis qui t'aiment intéressé avec enseignement Hébreux 13:8 TV, seulement, on doit aller sur YouTube. Taper David Sirai. Ou bien taper Hébreux 13:8 TV. Tu vois? Donc, ou abjouen toute vidéo qui déjà est lancée, des vidéos d'enseignement biblique qui équilibré, qui très balancé selon la parole de Dieu. Donc, ou bien doit aller. Et toutes amies qui est avec nous sur Facebook, téléfacebook. Donc, ou bien doit ou abjouen une vidéo, ou bien jouer nous. Donc, c'est un moment, même le pat là, donc capable toujours suivre l'enseignement. Yo. Ou pas qu'à servir le Seigneur sans l'enseignement de la parole. Faut croire. Et ou pas qu'à croire, je m'excuse, ou pas qu'à croire n'importe bagaille. Car l'apôtre Jean déclaré dans 1 Jean chapitre 4, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ah! Ça veut dire, ou même qui tombait sous édition Hébreux 13:8, peut-être, sous gagner le bon discernement, ou capable de suivre exactement, est-ce que, qui esprit qui a parlé? Donc, suivre, et pas suivre une seule vidéo, c'est pour continuer à suivre, pour capable de réaliser qui esprit qui a parlé, parce que la Bible exhorte nous pour ne pas admettre foi nous à tout esprit. Ok. Maintenant, on apprend quelques minutes non, pour nous capables, pour toute exhortation. Non, Jacques chapitre 5, côté notre bien-aimée sœur Nadia, depuis nous, Jésus, ça fait lecture là. Ma relili. Et puis, on va porter attention et puis on va prendre quelques mots là-dedans pour nous capables de faire une exhortation. Jacques chapitre 5, à partir du verset 12. Il est dit, avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie
qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péché. Gloire à Dieu. Maintenant, puisqu'on a parlé de la prière, et c'est de la prière qu'on a parlé à Swayala, la Bible, c'est une réalité, en quelque sorte, pour monde qui croit. D'ailleurs, quel que soit monde qui vit à travers le monde, ou qu'on croyance quand même, même là, on n'a pas de croyance dans la Bible, mais on croit au bagage. Et si on n'a pas de croyance, on tape tant qu'il y a un monde comme quoi, perdu tête, ça veut dire qu'il faut croire au bagage. Pas un monde à travers le monde qui ne pas croit au bagage. Il y a des gens qui croient dans un pied-bois. Les croient pied-bois, ça c'est Dieu. Ça veut dire qu'ils ont croyance. Gen de moun ki kroye nan yon sous d'lo. Il di, sous d'lo a se diel. Il kroye la nan. E gen moun ki kroye menm nan e animal yo, gen moun ki kroye nan koulev, gen moun ki kroye nan nèpot kel animal. Li gen kroyans la nan. E li fèl deveni diel. Ça veut dire l'on fait yon bagay de ni Dieu, ça veut dire le supérieur de où? Ça veut dire, puisque le supérieur de où c'est Dieu, ça veut dire ou supplier pour le faire quelque chose pour. Eh bien, nous, les croyants, qui croient dans le grand créateur de l'humanité, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, nous croyons dans un être qui créait tout bagay. Nous croyons dans un être qui créait tout bagay. Nous sur sous loi c'est une créature n'est pas qu'à créer. C'est à yon ignorance si nous ta croyons dans sous loi. Mais quand même il y a monde qui croit là-dedans. Mais l'essentiel c'est croire dans un être qui créait toute chose. Tout ça va regarder à travers le monde. La Bible dit, Jacques, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, t'a encouragé, bien-aimé. Il t'a encouragé parce que
li clair et net et sûr que gen a mitan nou qui dans la souffrance. Ça c'est clair. Si nous t'a gardé à travers le monde, des monde qui a souffri amèrement. Soit à l'hôpital, soit dans la prison, soit dans le foyer, soit partout. Des monde qui a souffri. La Bible dit, s'il malade, s'il a souffri, c'est pour le prier. Alors, qui ça la prière? La prière, c'est un type de croyance, un discernement. Ça veut dire vous croyez dans un personnage qui est au-dessus de vous. C'est ça la prière, tout bonnement. Mais d'ordinaire, on mettait quelques heures à part, bien quelques minutes pour capable consacrer. Mais la prière, c'est croire en Dieu. Voilà la prière. La prière, c'est croire en Dieu et puis ou vivre, ou expérimenter. C'est ça la prière. C'est ça fait. L'apôtre Paul dit, c'est pour nous prier sans cesse. Sans cesse, ça veut dire pas cramper du tout. Eh bien, croyance en Dieu, c'est pour un bagage qui a bloqué. C'est de temps à autre, ou à croire, ou à continuer à croire, ou à faire des expériences. C'est ça la prière, tout bonnement. Maintenant, l'apôtre Jacques, les mandés croyants, yo, s'il a souffri, c'est pour yo prier. Et bien voilà, si yo dans la joie tout, c'est pour yo chanter des cantiques, pour yo bail mon Dieu gloire, comme nous te joignons, quelques bien-aimés sœurs, des saints, qui t'a chanté, qui t'a bail mon Dieu gloire. Yo croit que, tout bagaille, très bien, par la grâce à Dieu, parce que vous connaissez tout bagaille dans le Seigneur. Et bien, c'est ça que t'a fait là. La joie envahit que vous et à bail mon Dieu gloire. Maintenant, si des gens qui malade, la Bible m'a dit, alors, c'est pour y relayer les anciens de l'Église. Qui ça, ça y est? Les anciens de l'Église, c'est des personnes qui croient dans la parole de Dieu. Ils croient parole là, pour vrai. Ils croient dans la parole faite chair, à savoir Christ, Christ manifesté en chair. C'est le vrai Dieu. Donc, parfois, ou malade, mais ou pas gagné assez de foi pour croire. Donc, on y a besoin de relayer yon ancien, surtout des hommes qui croient dans l'enseignement de la parole, qui convaincus qu'a prêché l'évangile. Donc, il m'a dit pour relayer yon. La Bible dit, parlez n'importe mon nom. Parlez n'importe personnage. Ou relé yon personnage qui croit. Et qui croit dans la parole. Et convaincu. Parole là, c'est réalité. Donc la Bible dit, ou va relé les anciens de l'Église. Et yon va prier pour vous. Enloignant d'huile. Là, la Bible dit, enloignant d'huile. Pour la religion. Ils ont utilisé l'huile sainte vidée sous le monde. C'est pas ça, la Bible dit. Ça veut dire, ancien rempli de l'esprit de Dieu. Ça veut dire, qu'on connexion d'esprit qui traversait, moun la prier pour l'IA. Voyons, voilà l'onction d'huile. L'onction d'huile, c'est la présence de Dieu qui envahit l'ancien de l'église. Donc, les prier par la foi, comme Élie le prophète. La Bible dit, Élie le prophète, c'était yon de même nature que nous. C'est un monde. Mais elle croit dans la volonté absolue de Dieu, elle priait
parole là fait effet. Nous rappelons que Élie bloqué, veut dire fort croire oui, parce que nous allons prier pour vous. Élie bloqué la pluie pour ne pas tomber sous la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et après, Élie priait, lui demandait pour la pluie tomber après 3 ans, 6 mois, et la pluie tomber. Ça veut dire des hommes qui t'ont consacré tant au Seigneur. Et bien de même, des hommes et des femmes qui consacrent tant au Seigneur, ça y a demandé le Seigneur et le Seigneur bayoul. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ t'est fait l'apôtre Pierre. Yo, cadeau yon don. Après Pierre t'est fin dévoilé qui est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Pierre identifier le Seigneur Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu. Et la Bible témoignait que le Seigneur Jésus-Christ, dit Pierre, ce ne sont pas la chair, le sang, qui révélait que c'est le vrai Dieu, mais c'est mon Père. Le Père, c'est l'Esprit. Ça veut dire l'onction d'huile. Le Père, l'Esprit de Dieu, envahit et identifier qui est-ce qui t'a accompagné. Alors, dit Pierre, sans marée sous terre, ça veut dire sans d'accord pour faire sous terre, c'est lui qui a fait. Jean déclaré sous terre. Donc, on va le déclarer un paquet de monde. On va même connaître à travers le monde pour le ciel libéré, soit dans la maladie, soit dans la souffrance, pour Dieu libérer. Pendant ma paléa là, il y a des hommes et des femmes qui ont libéré totalement, mais seulement croire. Et qui m'a libéré selon foi. Mais, ou même qui a croire, continue, quoi? Il dit, Pierre, son mari, sous terre, les maris dans le ciel, là, sont démarrés sous la terre, et même démarrer automatiquement dans les cieux. Mais bon, dernier verset pour me quitter, l'homme de Dieu gagne l'option pour délivrer le monde. Si des hommes de Dieu te connaissent puissance, l'onction de Dieu, importance, l'onction de Dieu, ça veut dire que tu as bien capacité, zone côté où y est, pas seulement maison, yo, mais zone côté où y est, ça y est dit. C'est ta bien réalité. Mais comme toujours gagnons faible, un faible reste qui est toujours là. Eh bien, par contre, qui côtoie, mais un faible reste. Un faible reste à travers toutes les nations, à travers toutes les zones. Donc seulement, on a besoin de croire. La Bible dit, pour me quitter où, et bien nous prenons la prière, dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Côté, là où c'est des hommes de Dieu, ou des pouvoirs pour libérer. Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux
et leur dit, ça veut dire, les partager l'onction sous l'IA à Nicipio. Les partager l'huile d'onction à Nicipio. Il dit, recevez l'Esprit Saint, c'est l'huile d'onction. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Dans mon soulier, c'est ça. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça veut dire l'homme de Dieu, les femmes de Dieu, qui recevront le don, l'onction d'huile qui c'est la présence de Dieu. La Bible dit, vous avez pouvoir pour libérer. Ça veut dire, parole ou son puissance, l'ancel, l'y aller dans quatre coins de la terre. Alors, si là, yo qui disposé servir le Seigneur, c'est pas. Entre parenthèses, c'est pas si là qui a fait business. Non, c'est pas ça. Yo. Mais des hommes consacrés, les lancer parole-là. Parole-là, aller dans quatre coins de la terre. Ça le dit pour libérer, yo libérer. Ça veut dire, il y a des hommes qui ont libéré, des femmes qui ont libéré à travers la parole de Dieu. Dieu n'a pas l'eau là. Il est le même hier. Il est le même pour Moïse. Hier, devant la mer Rouge, eh bien, il est le même aujourd'hui. Dans la situation qu'on y a. Ça veut dire Dieu, ça va changer. Il est le même pour le peuple d'Israël. Pendant 430 ans en Égypte. Eh bien, il est le même aujourd'hui dans maladie cancer là, dans stroke là, dans sucre là, dans quel que soit type de maladie, soit souffrir. Il est le même pour le peuple d'Israël, il est le même pour notre pays d'Haïti. Sous quoi? Juste lever main, ouvrir cœur. Yon jou comme je dis, pays ou gen pou délivrer, parce que gen des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui libérer pays. Le libérer pays, ça veut dire libérer ou remettre li entre les mains de Dieu. Nous avons l'autre gouvernement. Nous avons un gouvernement comme toute l'autre nation. Yo. Dieu qui a changé les choses. Les frères nous sont malades. Ils vont joindre l'hôpital. Ils vont joindre le docteur. Ils ont cru ça. Seulement cru. Eh bien, c'est le moment pour nous mettre fin. Disposer nous prendre la prière. Jeune sœur, disposez-vous. Vous avez besoin de croire en Dieu, le vrai Dieu. Mes chers amis, pas croire dans yon créature. Gon être qui crée créature yon. Pas croire là-dedans yon. Mais croire dans le vrai Dieu. Nous allons la prière et nous allons libérer si là yon qui est malade. Nous allons libérer pays nous. C'est pour continuer à faire ça. Disposez-vous. Nous allons terminer.
et n'a profité de vous merci parce que vous êtes avec nous. Vous t'a coûté moment ça. La prière pour le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Père éternel, notre Dieu. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nomme-nous adorer, nomme-nous glorifier. Nous croyons en vous. Nous n'avons pas de personne qui est capable de délivrer nous sinon vous. Le monde n'a pas la main. Chaque téléspectateur, téléspectatrice, auditeur, qui a écouté Radio Foi Apostolique, il y en a même. Les quatre coins de la terre n'a pas la main. Pas grand rien qui a passé inaperçu. Pour parole, car omniprésent. Ou pas l'homme, ou pas humain, ou son l'esprit, le plus grand être de tous les êtres. Assoya Seigneur, il y a un pile qui est malade à travers le monde. Non pas qu'on est qui côté oyé dans quatre coins de la terre. Mais parole ou, c'est la vérité. Parole ou réelle. Parole ou suffit au Dieu pour libérer si là qui malade, qui pas gain personne. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour tous les gouvernements à travers le monde. Que non, le Seigneur Jésus-Christ capable de servir un refuge, une forteresse pour le monde. Malgré tout ça qui a passé, ou un contrôle, un seul être, une seule force, pas un deux. L'autre s'est formulé, s'est forgé, mais lui, la plus grande force du monde, c'est toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la sœur Marie, mon plaisir. Ou bien, dernier mot, nous croyons dans son fait, et tout son fait, nous continuons à glorifier. Nous prions, Seigneur, pour chaque bien-aimé sur télé Facebook, que nous te cité non. Et même si là, yo, Seigneur, nous n'avons pas de possibilité de citer nous, ou qu'on adresse, yo, qu'on caille, libérer. Yo. Et m'a profité prier au Seigneur pour le frère Wilter Gaston, qui est présent, qui est capable d'accompagner, de garder la côté. Je prie au Seigneur pour la soeur Nadia et sa famille, la soeur Camille et sa famille, le frère Rodrigue et sa famille. La sœur Bernadette et sa famille, la sœur Samuel et sa famille, sœur Mimose et la famille Villebois et sa famille, et tous les autres amis, Redding, levés au devant, libérés, et qu'on va reconnaître tout comme le vrai Dieu, et on va continuer bonne gloire. Nous remettons soirée à la main au Seigneur, que présence soit capable de couvrir nous, on va dormir et réveiller. Et nous va continuer à glorifier. Père, nous adressons requête ça. Dans le nom de ton fils Jésus, à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Merci tout le monde qui t'a écouté, qui t'a branché. Passez une bonne soirée et à demain si Dieu veut pour une étude bien balancée et vérifiée. Que le Seigneur vous bénisse.